Bonjour les ghouls et bienvenue dans l'épisode 5, saison 2 de Monster High Défi. Donc la dernière fois, Claudine a été éliminée et maintenant c'est solo, chacun pour soi. Alors, maintenant vous devrez répondre à une série de questions que je vais vous poser tout de suite. Et voilà. On va commencer par Rochelle. Alors Rochelle, commence tout de suite. D'où vient cette chanson? Attendez, si vous avez plus de 3 fautes, donc voilà, vous serez éliminée. Voilà. Rochelle, d'où vient cette musique? Sans crinien. Ce n'est pas sa faute. Sans crinien, dis-lui d'être forte. Allez, t'emmène. Ce n'est pas sa faute. C'est nous sommes devenus fous. Juste mon regard t'obsède. Du bout de mes lèvres, à ton corps, je résonne. Dis-lui que je lui succède. Tu as toujours pensé qu'elle était la bonne. D'où vient cette chanson? C'est attends. C'est la chanson. C'est le traduire. La chanson. Hein. Non mais c'est la chanson de. Ah je sais pas. C'est la chanson. Ah, je m'en souviens plus. Ça fait mal. C'est la chanson de Marimé. Donc, tu as une faute. Voilà. À toi, Claudina. Alors, dis-moi. Ok. Qu'est-ce que tu fais si un gars t'invite à un rendez-vous, mais que t'as déjà un rendez-vous ce jour-là? Dans ces ans, je serais bizarre si je fais ça. J'annule un des deux. Bravo. C'est ce que je ferais aussi. Bon. Voilà. Spectre, qu'est-ce que tu fais si... Non, pas ça. Non, si. Alors, Spectre, si tu perds cette épreuve, tu serais comment? Ultra joyeuse. Une faute. Eh mais... Alors, Elisabeth. Attends. Ah oui, d'où vient cette chanson? C-O-P-R-A. C'est pas aussi de Marimé? Oui. Bon, t'as pas de faute. Attends. Qu'est-ce que je pose? Ah oui. Est-ce que toi et Elisabeth. Est-ce que toi et Elisabeth, vous êtes parallèles l'une à l'autre? Oui. Mauvaise réponse. Donc tu as une faute. Rochelle. Alors, Rochelle. Qu'est-ce que tu fais si un vampire veut te croquer? Je fais rien. Ah, mauvaise réponse. Toi, Claudina. Attends. Je sais, je sens très mal, donc ne pas de commentaires sur ma voix, s'il vous plaît. Et sur l'anglais que je vais faire. And the winds are back, and the winds are gather, and the winds are back, and the winds are gather. Enfin, quelque chose comme ça, je m'en souviens plus. De qui est cette chanson? Marimé? Non, Marimé a chance en français. Donc, tu as une faute. C'était de One Direction. Je sais, c'était incompréhensible. Qu'est-ce que je disais? Bon, c'est pas grave, on s'en fout.
Spectra, qu'est-ce que tu fais si un vampire veut te croquer? Je m'en vais. Ah, ok, non, j'ai déjà posé ces questions. Donc, qu'est-ce que tu fais si ton chien, si t'avais un chien, si ton chien te mordait? Je fais rien. Ah, ma face réponse. Isabelle, qu'est-ce que tu fais si t'avais une chauve-souris et que c'est. Qu'est-ce que tu fais si un acteur hollywoodien te dit t'es mon actrice préférée et je t'aime? Qu'est-ce que tu dis? Je dis voilà. Ah, ma face réponse. Oui, non, là, d'où vient. Attends. Connais-tu la Cité d'Or? Non. Ok, donc tu as une faute parce que tu ne connais pas. Rochelle. Aïe. Rochelle. Explique-moi le fonctionnement de la toile. Enfin, de la soie, désolé. Donc la soie, ça vient des usines. Ma première réponse. Clousina, explique-moi la soie. Ça vient des monstres. Non. Attends. T'es à combien? Attends, je crois que t'es éliminée, non? Non, je suis à 2, me semble. Ah, ok. Spectra. Donc, explique-moi le fonctionnement de la soie. Enfin, comment il fabrique la soie. Ça vient de chandail. Ah, mauvaise réponse. Tu es éliminée. Donc, la soie, ça vient de chenille. Pour ceux qui ne savent pas. Ok, non, je suis éliminée, c'est ça? Je ne peux pas être éliminée. Non. Voilà, j'ai fait le saut. Non, t'as pas fait le saut. Oh. Ok, je vais faire ce saut. Attends, je peux quand même accrocher. Hein. Aïe. Donc ça, c'était au ralenti. Véritablement. Aïe! Ça fait mal. Tu es éliminé. Voilà. Au revoir.